politique parle en pile, mesdames et messieurs, qui gagne un coup de wash cap voyé sous et soldats ou bien policiers Kenya dans le pays d'Haïti qui arrivent gain mois là à quelques jours et qui pourquoi j'en fais rien sérieux dans le pays. Ya. Eh ben je dis à l'Abdou gagner l'armée d'Haïti, Kenya et PNH là qui ont même metté tête ensemble mesdames et messieurs pour l'op là dans bloc ISO et dans moment on a parlé là faut qu'on dou et ben c'était gros opération tête chargée qui était gagné. Est-ce que c'est et donc décider même pour écraser village et ces questions qu'a posé et ben faut que nous dire aujourd'hui là les Kenya ont metté puis au malgré metté vinn gè ti kè sauté par rapport avec un blindé qui dit même tombé en panne, mesdames et messieurs, première opération n'est guère menée, blindé guette en panne. Même bon bagage, m'pas qu'à comprendre, vous qui ça, chaque opération al menée ou bien intervention, toujours gon blindé pour en panne, pour qui crase bagage là, toujours gon blindé pour en panne, m'pas qu'à comprendre mouvement ça. Moi, pas qu'à comprendre mouvement ça, chaque l'air, la police met tête sur des wags blindé, ou tendez gon blindé qui en panne. Est-ce que son façon n'est guère fait, mesdames et messieurs, pour n'est guère fina pays, ya ou bien nous pas qu'on est? Et bien, dans la vidéo, ça, nous allons éviter tout détail concernant, eh bien, opération tête chargée, ça, qui la police, l'armée d'Haïti à Kenya, tap mené pour jeudi, et mardi, et donc mercredi, disons, et 17 juillet 2024. Là. Bon, gagne tout, et la police, en agrandance, qui va être bilan, quantité moun, yo mette en bas code, quantité moun, yo arrêté, quantité moun, tout qui mourit, et si on vraiment bilan tête chargée, et selon toute information, t'as gagné 3 bandits qui tombaient et gagné 93 mouns qui en bas code. Bagala vraiment et tête chargée. Est-ce que prison est côté pour mettre moun comme ça, nous pas qu'on est? Parce que je dis là, et nous, des bons mouns rentrés dans la prison dans le pays d'Haïti, question sortie, est vraiment difficile. Est-ce que c'est problème justice pays ou bien tout c'est parce que nous avons besoin de faire comme avec famille moun ça? On écoute pour plus de détails. 2024, eh ben nous connaissons ce qui fait actualité au point de quoi. C'est chat blindé. Pendant que monsieur a vu des gorilles, nous avons dit nouveau chariot, la peine de voir, il est en panne. Effectivement, aujourd'hui, à l'Académie, tout ça, nous allons débattre divers points qui marquent l'actualité. Opération que nous avons dit que la police mélangée avec force Kenya n'a pas mené en bas la ville là. Bon, nous avons dit ça qui passe, et bien, ça c'est où nous avons le débat là avec notre corps, et bien, nous comptons là avec Oudjimé. On nous partit directement, messieurs, dames, j'en ai suivi là quand même. Et nous bien préciser, on n'a pas même dit opération, puisqu'on parlait de démonstration de force. C'est une démonstration de force, plusieurs blindés, j'en ai suivi là. Et au commencement, tout le monde t'a félicité, et nous, la population, content, ouais, ça a regardé. Hein. Mais, monsieur, comme on comprend, pour blindé, après panne. Oui, là encore, Jimmy, n'a pas pris tout droit avec nous, comme on dit. Et même nous, les policiers kenyans, ils ont mis pieds à terre. Ils ont descendu dans 8 des casernes, mélangé avec PNH, dans un gros affrontement avec bandits en bas de la ville de Port-au-Prince. Pour une fois, les policiers kenyans, ils ont mis un affrontement directement avec gang. Nous avons parlé en bas de la ville. En plus, quand ils ont touché dans 8 des casernes après-midi, mardi 17 juillet 2024, là, en agent PNH officiel, accompagné policier Kenya, avec bandit dans l'alentour capital, là, c'est censé premier affrontement direct à policier Kenya, et présenté dans le pays d'Haïti. Je vais parler, il y a un journaliste sorti, mais il y a un projectile, gaz lacrymogène, mais mercredi 17 juillet, dans le moment où force ont opéré dans une caserne, ils ont tiré sur la police, ils ont évacué. Nous encourageons à être vigilants et utiliser plus de professionnalisme dans le travail. Mais là, encore plus, nous avons dit, on a posé plusieurs véhicules infanterie, nous avons parlé de masques. Nous avons parlé de policiers kenyans, nous avons observé au schéma. Là, encore, il y a un chat blindé qui a fait en panne. Là, en plus, question à poser. Qui s'achète à l'autre ville, qui est là, encore, Jimmy, et Joudan, et dans notre monde, a fait bon civil. Que nous avons fait passer pour la première fois, et mes premières observations, c'est le chat blindé qui est en panne. Oui, effectivement, Jimmy, Salomon, nous sommes capables de dire depuis les forces à entrer en DPIA, nous sommes capables de dire que c'est le premier. Bon, est-ce que nous avons dit l'opération? Bon, que c'est le premier sorti qui est fait là, à côté, il descend en bas de la ville là, toute l'île de caserne. Nous avons détecté un affrontement qui était là entre bandits vivants ensemble avec
mon petit monsieur Kenya avec diverses unités en de PNH là. Bon, depuis bien bonheur, nous t'étais de remplir le cartouche, ou mettre sous le bloc en haut là, lui, ou observer, gros cartouche capturé en bas. Bon, ça qui passe, nous pas qu'on connaît jusqu'à présent, si j'ai vu qu'il y a un bandit ou pas, parce que jusqu'à présent, il faut qu'on jamais informer aucun monde qui s'est passé. Mais, ça qui vient pas être aussi gens, le monde pas comprendre, c'est une série de blindes de Max Pro, tout neuf, bon. Est-ce que nous t'étais tout neuf, que nous t'étais États-Unis, t'es bail, qui est dévoué pour force là, il y a là-dedans tombé en panne, ou est tout le monde capette, en façon, ou est-ce que c'était pousser pour tirer en bas. Bon, et puis il y a un panneau, il y a un bon journaliste qui blessé. Bon, en tout cas, en plus mon quoi ça pour opération, les sont chauds. Et c'est chaud le calbay en bas, c'est pas comme ça opération menée d'après ça en série des monde dit. Est-ce que son test là t'a fait pour regarder si au Kagoma avec monde ou pas. Bon, c'est comme ça ça passe en bas dit mais jusqu'à besoin de monde qui quoi c'est chaud d'être avant bas parce que jusqu'à présent nous pas connaître qui s'est passé si quelqu'un qui mourit ou bien tombé dans camp bandit jusqu'à présent nous pas connait reste information sur ça Jimmy. Oui, en tout cas c'est image ça qui n'a regardé sur écran et blindé ça qui tombé en panne et sincèrement je pense que sans blindé qui part en panne nous te gagne dit son démonstration de force mais monsieur et quand même il fait l'aide en pile et je pense que si n'a mené opération pas plein n'a rappelé que et gain plusieurs membres plusieurs unités dans la police en, qui dans opération également mais nous pas dit des blindés tout neuf qui tombé en panne. Direction départementale police Gardanslan qui vient en tête le commissaire divisionnaire et France Saint-Amand a salué toute population Gardanslan spécialement monde qui vit dans la commune Jérémy. Je dis en direction départementale police Gardanslan a présenté bilan travail que la police réalisé en dans département sorti 12 juin pour arriver 17 juillet 2024 là. Pour période que nous sommes cités là, la police dans le département de Grand-Nord s'est arrivé faire 93 arrestations. Parmi les arrestations, il y a 43 là-dedans qui fait sous mandat et 50 autres qui fait de manière flagrante. Et arrestations, ça y est reparti comme ça. Voie de fait suivie de blessures, 7. Association malfaiteur, 3. Escroquerie, 14. Viol, 5. Menace de mort, 3. Rébellion à la justice, 9. Escroquerie, 4. Vol, 17. Abus de confiance, 4. Assassinat, 2. Incendie de maison, 1. Agression sexuelle, 1. Évadé de prison, 1. Enlèvement et séquestration, et 1. Diffamation, 10. Détournement et de marchandises, 1. Pour ça, qui est pour avec brigade protection mineure avec ensemble avec violence basée sur le genre gagné 71 cas que yo traité qui est parti comme ça. Viol gagné 5 cas qui traité, tentative de viol sur mineur gagné un cas qui traité, tentative de viol sur adulte gagné un cas qui traité, voie de fait sur mineur gagné 16 cas qui traité, voie de fait sur adulte, les nous dit voie de fait sur adulte, pas bien à parler de VBG, c'est loi de fait qui fait en dedans et coupe, monde qui vive en coupe, c'est 15 cas, menace de mort également qui fait sous monde qui vive en coupe, c'est une fait sur l'autre, c'est 5 cas, menace de mort sur mineur, c'est 5, enfant abandonné, c'est 9, et intervention que BPM fait pour assister ces monde qui est en difficulté, c'est 6, et puis agression sexuelle, c'est 8. Pour ça, qui est pour avec l'autre activité que la police mène dans le département, et dossier que SDPJ traité, c'est 7, quantité l'argent qui saisit, et dans la période de, qui couvre bilan ça, c'est 33 395 gouttes. Bandit que qui rivait arrêté, c'est 7. Enquête administrative, c'est 10. Opération bien mission intervention qui fait, c'est 102. Patrouille préventive qui réalisé, c'est 69. Nombre de points fixes, c'est 47. Motocyclette que la police rivait confisquer, c'est 9. Nombre de cas d'accident que la police rivait recensé, c'est 8. Mais il faut que nous précisions, dans 8 ça, il y a 7 là-dedans, c'est motocyclette qui frappait avec motocyclette. D'où nécessité et qui gagne pour chauffeur taxi nuyo plus prudent toujours le y a conduit également passager faut être très prudent pour capable éviter chauffeur taxi en fait excès de vitesse à
avec eux. Sécurité, sécurisation de manifestation, un. En somme, c'est ensemble activité ça que la police réalise. Mais parmi eux, nous t'ai parlé de également intervention avec opération que la police menait. Faut que nous dit le 22 juin 2024 là, après plusieurs plaintes et pour abus de confiance ou bien extorsion que SDPJ était recevoir contre le nommé Bélance Molière alias Empéré, et la police est arrivée posséder avec arrestation et